Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, excusez-nous de ce petit retard, problème technique d'affichage du chat. Et comme vous savez qu'aujourd'hui, il... enfin vous savez ou vous ne savez pas, je, vous... je vais vous expliquer, il n'y a pas de modérateur, donc ça veut dire que je vais lire de temps en temps le chat et ce que vous écrivez vous. Mais euh, problème, c'est écrit en petit, donc euh, bon. On s'est arrangé, ce qui compte, c'est que je sois là, c'est que vous soyez là aussi pour ce live qui vous est proposé par Passion Pédagogie et qui va traiter de la boîte à outils du remplaçant. Euh, les remplaçants, eh bien, ce sont des personnes très utiles. il en manque beaucoup, malheureusement. on en a besoin dans nos écoles. Euh, ce sont des, des enseignants comme tous les enseignants et qui viennent nous aider quand un enseignant est absent. donc, euh, j'espère que vous avez tous, euh, dites-moi tout de suite que je sache si vous m'entendez, un petit peu sur tout, euh, tous les réseaux. Que je, puisse, que je puisse voir euh, euh, entre autres sur Facebook, dites-moi, parce que c est, c est, je, je vais être diffusée all over the world, n'est-ce pas? Et donc, euh, il faut que je sache si ça se passe bien. Marjolaine, Sonia, euh, c'est bon, Emmanuel m'entend. Euh, donc, euh, donc euh, tout va bien, Olivia m'entend Écoutez, c'est super. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, euh, moi je suis euh, professeur euh, d'art plastique chez Objectif CRPE. J'interviens aussi chez Passion Pédagogie, et donc euh, je vais euh, je vais vous et donc, je vais intervenir aujourd'hui pour euh, tout ce qui concerne les remplacements. Donc, euh, les remplacements euh, que vous allez faire en maternelle, les remplacements que vous allez faire en élémentaire. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que euh, vous avez euh, besoin euh, d'aide. Peut-être que vous en êtes au début de votre carrière oui, j'ai oublié de, de cliquer. Euh, peut-être que vous, vous en êtes au début de votre carrière et que euh, vous avez euh, besoin euh, d'aide parce que vous, on vous a affecté sur un poste de remplaçant et vous n'aviez pas obligatoirement demandé ce poste. mais bon, vous êtes là et vous êtes enseignant, donc vous n'êtes pas là pour faire du remplissage. si vous êtes enseignant remplaçant depuis euh, des années, euh, je pense que ce live ne vous apportera peut-être pas grand chose, mais vous pouvez le regarder au moins pour vous conforter. Si vous débutez, et eh bien j'espère que je vais vous apporter des, tout un tas de petits tuyaux qui vont vous aider. Euh, je m'excuse parce que je n'avais pas euh, cliqué sur tous les boutons, donc certains n'ont pas entendu le tout début de mon intervention. Donc, sachez que euh, Passion Pédagogie euh, est là pour vous répondre. Donc, si vous avez un problème, euh, Passion Pédagogie sur Internet, vous posez vos questions, vous vous renseignez, vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, euh, on vous répond par mail ou, ou par téléphone. Surtout, n'hésitez pas. Alors, euh, la présentation de l'intervention, eh bien, euh, que faire avant un remplacement, les règles incontournables, quelques pistes, un emploi du temps type, et puis des activités qui marchent à tous les coups parce que euh, vous avez le choix entre être remplaçant et faire de la figuration, ou être remplaçant enseignant et euh, vous lancer dans les apprentissages avec, euh, avec les élèves. Donc, euh, que faire avant un remplacement alors déjà, euh, pour avoir été moi-même remplaçante, je le sais, euh, vous risquez de n'avoir votre affectation, euh, selon les académies, que la veille au soir, voire même parfois le matin, on vous appelle euh, à 8 heures pour vous dire que ben, vous avez rendez-vous euh, dans telle école. Et donc, vous n'avez pas le temps de préparer. Euh, vous, parfois, vous allez arriver. Et puis, on vous a dit, bah, tiens, vous avez un CE2, euh, vous avez préparé quelques éléments pour le CE2. Et puis, bah, non, oh, bah, non, c'était un CM2. Donc, vous n'avez pas ce qu'il faut pour le CM2. Euh, et puis, euh, en plus, euh, parfois, on va vous demander, euh, est-ce que vous pouvez me rappeler, est-ce que vous pouvez remplir un papier avec les endroits où vous avez été affecté Et donc, euh, je vous conseille de, de noter de noter les, les endroits où vous avez été. Alors pour ça, euh, je vous propose un petit document qui s'appelle, euh, que moi j'ai intitulé Mémoire de mes remplacements. Mémoire de mes remplacements, euh, vous avez, c'est très simple, hein, les dates du temps autant l'école, le niveau et les remarques. Les remarques, c'est par exemple euh, euh, double niveau, euh, euh, élève à, à particularité, euh, 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 par exemple un, un journée euh, sortie pendant toute la journée, enfin des choses, des choses qui qui vous aideront à répondre sur si on vous dit mais euh, on comprend pas là, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là parce qu'on nous a dit que ou alors est-ce que vous pouvez me rappeler, ben, vous avez des, des, des points importants qui vont vous euh, qui vont vous, vous marquer et euh, euh, qui feront que vous vous rappellerez. Parce que quand vous aurez déjà fait 25 remplacements, quand on va vous parler du CE2 dans telle école, pff, ça n'est pas évident. Donc euh, gardez en mémoire toujours euh, ces remplacements. Tous les documents que je vous donne, ce sont des documents que vous allez retrouver. Euh, que vous allez retrouver euh, avec euh, en, en dessous ce live, euh, donc pas de problème. Je fais juste une petite discrétion là parce que je ne sais pas. Si, euh, si le chat marche, oui, je pense. Euh, comme il n'y a pas de modérateur, régulièrement, je vais regarder le chat pour voir si vous avez des questions. Et sinon, au moins à la fin de, de, de ce live, on prendra du temps pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, avant un remplacement, alors déjà, il y a euh, deux façons de, de se préparer. Vous avez les remplacements longs et vous avez les remplacements courts. Et ça n'est pas du tout la même chose. Pour vous donner euh, un ordre d'idée, euh, la première année où j'ai travaillé, j'avais une moyenne d'une journée et demie. Par, euh, par remplacement. Donc, euh, ça fait, euh, vous imaginez, sur toute une année, le nombre d'écoles dans lesquelles je suis allée, le nombre de classes euh, dans lesquelles je suis allée. Et vous imaginez bien que j'ai fait tous les niveaux, depuis la petite section jusqu'au CM2. Parfois même, j'allais en petite section que l'après-midi, uniquement pour surveiller la sieste pendant que la directrice était en, en réunion de directeur. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis que vous ne serez pas toujours prévenu longtemps à l'avance. Alors, le remplacement court, bah souvent c'est un problème de maladie. Euh, un problème de dernière minute et le, le titulaire du poste, bah, il n'a pas prévu d'être malade, donc euh, il n'a pas laissé de directive. Alors quand, euh, euh, comme moi, on fait son cahier journal sur Internet, c'est vite fait d'envoyer le cahier journal euh, au directeur en disant, ben bah, voilà, donne aux remplaçants. Mais euh, quand on est au fond du lit euh, avec 42 fièvres ou euh, qu'on a les deux bras cassés euh, ou, ou, ou on, on ne peut pas toujours le faire. Donc, euh, il va falloir que vous, vous puissiez pallier ce problème et donc prévoir les activités, quel que soit le niveau de classe. Quand ce sont des remplacements longs, généralement, l'enseignant a laissé des directives et euh, vous allez essayer de les suivre au mieux les suivre au mieux ça veut dire que euh, si euh, il laisse comme directive en histoire euh, aborder la révolution française euh, sachant que euh, vous n'avez pas eu le temps de préparer que vous ne trouvez pas le livre d'histoire que vous n'avez pas de documents à projeter sur le tableau numérique que, 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 que ça va être très compliqué donc et eh bien tant pis hein, la révolution française elle attendra une journée de plus que l'enseignant soit revenu, mais vous ferez autre chose à la place. Quand c'est possible, essayez de vous adapter à ce qu'il propose. Quand ça n'est pas possible, vous ne le faites pas et puis vous lui laisserez un petit mot en disant ça, je n'ai pas eu le temps. Et puis il est évident aussi que quand on est remplaçant, on travaille moins vite parce qu'il faut le temps de s'adapter. On ne connaît pas, on cherche toujours les outils, les cahiers, le, le fonctionnement c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir des activités polyvalentes. Ces activités polyvalentes vous aideront à travailler dans plusieurs niveaux de classe. Et puis, euh, de, en complexifiant, bien entendu, ce qui est demandé. Et puis, si vous n'y arrivez pas, eh bien, euh, si, pardon, si vous avez vos activités polyvalentes, eh bien, euh, ça va vous aider une bonne partie de la journée. Et puis, ça va vous rassurer parce que euh, vous n'aurez pas à tout, tout trouver à la dernière minute, vous dire mais qu'est-ce que je vais faire Non, vous avez certaines activités. Vous les proposerez en CE1 ou en CE2. Vous proposerez en CM1 ou en CM2, mais ça sera euh, plus ou moins euh, difficile, plus ou moins complexe. Et vous, au moins, ça vous fera déjà gagner du temps pour pouvoir voir plus loin, tout en les mettant déjà en activité, en activité pédagogiquement intéressante. Et puis, c'est toujours rassurant, euh, comme je l'ai marqué là, c'est toujours rassurant quand on est enseignant de ne pas avoir tout à inventer à la dernière minute. C'est tellement stressant d'arriver dans une classe sans aucun outil et se dire bah alors qu'est-ce qu'on fait Je n'ai rien. Euh, L'enseignante m'a rien laissé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Oh, surtout quand on est débutant, parce que quand on est débutant, moi si j'arrive j'arrive avec mon ancienneté. J'ai travaillé dans tous les niveaux de classe. J'ai une idée de ce que je peux proposer. Vous, si vous êtes au début de votre carrière, il y a de fortes chances pour que vous soyez au début de votre carrière, eh bien, euh, vous allez, euh, vous allez euh, tâtonner. Vous ne saurez pas. Euh, vous avez été euh, PES en petite section, on vous envoie en CM1. CM1, qu'est-ce que vous faites Comment vous faites C'est compliqué. Donc, il vaut mieux avoir des billes. Force est de constater que très souvent, on ne trouve pas les affichages obligatoires. C'est pour ça qu'on vous dit tant tellement souvent de prévoir des affichages dans vos classes, quand vous aurez votre classe où il y a les programmations. Où il y a l'emploi du temps, où il y a euh, le cahier journal sur votre bureau. C'est pour ça, c'est pour vous aider, mais c'est pour aider aussi les remplaçants. Et vous apercevrez malheureusement que quand on entre, euh, quand on entre dans euh, dans les classes, souvent on n'a pas, euh, de on, on trouve pas ces affichages. Et donc il va falloir que vous puissiez faire sans ces affichages. Donc comme je dis, ne comptez pas sur les autres. Dans la, je dirais dans la moitié du temps, vous avez. Mais dans l'autre moitié, vous n'avez pas. Donc, vous ne comptez pas sur les autres. Vous devez vous faire confiance. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et puis, euh, vous allez avoir préparé suffisamment de choses euh, à l'avance pour pouvoir euh, pallier tous ces manques. Alors, je lis sur le chat. Donnerez-vous des exemples d'activités adaptables Je vais essayer Lisette. Oui, tout à fait. Euh, alors... Euh, bon, alors là, il y a par contre quelqu'un qui m'écrit en espagnol, donc je ne comprends pas. Hola, Philippe, euh, euh, no hablo espagnol. Donc, euh, je continue sur ma lancée. Donc, les règles incontournables. Vous allez arriver dans une école. Il va falloir, vous allez avoir une classe pour un jour. Euh, soit euh, vous laissez faire, ça va être la galère, l'horreur pendant une journée, soit vous vous positionnez tout de suite en tant qu'enseignant de la classe et là, ça va rouler. Donc si vous faites l'accueil dans la cour, euh, c'est-à-dire que euh, les élèves à, à la cloche, à la sonnerie, sont rangés dans la cour, vous vous mettez devant le rang. Vous montrez que vous n'êtes pas là juste je me mets devant le rang, puis hop on part. Non, non, vous vous mettez devant le rang, vous regardez les élèves avec un petit sourire, mais quand même euh, l'air très déterminé. Et puis euh, c'est bon, est-ce que vous êtes prêts là? Vous êtes rangés, on se range? C'est bon, on avance. C'est vous qui donnez la permission, ce n'est pas eux qui vont partir parce que euh, c'est bon, il n'y a plus personne dans la cour, donc ils peuvent y aller. Non, non, non. C'est vous qui donnez la permission d'avancer. Et ça, c'est très important, à mon avis, parce que c'est ça qui va faire que euh, euh, c'est ça qui va faire que vous serez euh, euh, reconnu en tant qu'enseignant. Donc, vous donnez la permission d'avancer. Si euh, vous êtes en classe, si les élèves sont déjà en classe parce que vous arrivez à moins 20 et qu'ils sont montés à la demi, hein, parce qu'on vous a prévenu 10 minutes avant que vous ne pouviez pas être là avant l'heure, vous entrez, vous dites bonjour et tout de suite, si vous voyez que ça commence à chahuter, vous demandez le silence, on m'écoute, s'il vous plaît, ça y est, vous avez eu 10 minutes de rab, maintenant on se tait, je me présente et là, vous allez expliquer votre nom, vous expliquez que vous êtes que vous venez remplacer l'enseignant et que pendant la journée, vous avez un certain nombre d'apprentissages à leur proposer et que euh, ils vont travailler comme tous les jours et qu'ils doivent se mettre maintenant dans leur position d'enseignant. Alors, je regarde, euh, est-ce qu'il fait des programmations pour tous les niveaux Le remplaçant ne fait pas de programmation pour tous les niveaux. Hein. Je vous rassure. Non mais attendez, quelle horreur. Pour tous les niveaux, pour toutes les périodes. Non, 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 non. Le, le, le remplaçant ne fait pas de programmation. Le remplaçant va arriver et va utiliser ce qui a déjà été fait en classe. Heureusement parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, euh, premier pas dans la classe. Donc, vous montrez que vous êtes l'enseignant. Vous vous présentez. Vous dites comment vous voulez qu'on vous appelle. Alors, euh, moi, c'est euh, bonjour, je m'appelle euh, Brigitte Desroches. Euh, vous pouvez m'appeler maîtresse. Vous pouvez m'appeler Madame Desroches. Vous pouvez m'appeler Brigitte si vous avez l'habitude d'appeler votre maîtresse ou votre maître par son prénom. Mais attention, je suis votre maîtresse, je ne suis pas votre copine. Donc, vous m'appelez comme vous voulez, mais moi, je vous respecte, vous, vous me respectez. Voilà. Nous sommes là pour travailler. Nous allons travailler, on va essayer de travailler de façon agréable. Euh, je n'ai pas envie de, de, de vous assommer avec des apprentissages compliqués. On va réviser euh, des choses que vous connaissez déjà. Mais, ou alors, j'ai euh, votre maîtresse qui m'a laissé euh, tout un tas de choses à aborder avec vous. Donc, on va travailler super sérieusement comme ça. Quand elle va revenir demain, votre maîtresse, ah bah, elle va être... Épaté, elle va dire waouh, mais ce sont des champions. Ils ont réussi à tout faire. Eh ben alors là, bravo. Et puis euh, vous allez expliquer aux élèves que euh, ben vous vous êtes dans des écoles différentes tout le temps, donc vous ne savez pas euh, comment fonctionne cette école. Donc vous comptez sur eux. Vous les responsabilisez, hein, même même tout petit. Vous leur dites, écoutez, euh, il faudra que vous m'expliquiez par où on sort pour pour sortir en récré, pour par où on, on à quelle heure est la récréation si c'est pas affiché. Euh, est-ce que euh, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous leur donnez des bonnes habitudes. Euh, comment? Alors, je n'ai pas la fin de la phrase. Comment faire une bonne impression face aux parents Alors, euh, Sonia, je n'ai pas la fin de la phrase, mais face aux parents, euh, si vous êtes sur un petit remplacement, les parents, vous ne les verrez pas beaucoup. Vous les verrez juste à la sortie. Si vous êtes sur un long remplacement, euh, option euh, congé de maternité ou... Euh, je ne sais pas. Euh, de toute façon, les parents vous serez amenés à les remplacer, à aller rencontrer régulièrement déjà à la sortie, euh, individuellement parfois quand vous avez des choses à signaler à propos de, le, de leur enfant, mais sinon, euh, si vous êtes là sur un long remplacement, n'hésitez pas à mettre un mot dans le cahier de liaison euh, pour dire euh, bonjour, je m'appelle un tel, je serai l'enseignante de votre enfant pendant deux mois, par exemple. Euh, euh, ensemble, nous aborderons tous les points du programme euh, qui sont habituels à cette période-là. N'hésitez pas à me contacter euh, euh, si vous avez des questions. Et puis voilà, présentez-vous et rassurez-les. En fait, les, les parents ont besoin de savoir que euh, quand c'est un remplaçant, leur, leur enfant travaille quand même et qu'ils ne vont pas perdre du temps. La première impression se fait toujours grâce à la tête. Quand vous allez à la sortie et que vous dites déjà le fait d'appeler leur enfant par, le, par son prénom, ça veut dire que vous faites attention aux enfants, vous les connaissez déjà. Et quand vous dites euh, 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 Noémie, euh, je crois que c'est ton papa là-bas, euh, Maxime, euh, ta maman, ah Elliot, il y a quelqu'un qui t'appelle, euh, Mathis. Euh, tu attends Tu attends qu'on vienne te chercher Voilà. Eh bien, le fait de dire ça, ça rassure les parents. Vous êtes souriant, tout va bien. Donc, euh, surtout, demandez aux élèves de vous aider. Quelles exigences vous allez avoir euh, Parce que vous allez avoir… Alors, je ne sais pas si… Euh, je vais juste appeler parce qu'il y a un chat sur lequel rien ne s'affiche. Je vois et ça ne descend pas. Donc, je vais voir si c'est euh, si normal. Je vais juste appeler pour savoir euh, si c'est normal. Euh, quelles exigences avoir Juste pour savoir, il y a un chat qui n'a pas bougé depuis 18 minutes. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'il y a possibilité de réactualiser quelque part Ok. Euh, alors, d'abord. Vous allez euh, vous apercevoir rapidement que quand vous êtes dans une, dans une classe en remplacement, les élèves ont essayé d'en profiter. Hein. Vous l'avez fait quand vous étiez jeune, ils le font euh, là et euh, les prochains le feront euh, prochainement. Donc, c'est normal. Sauf que vous, vous n'êtes pas là pour qu'ils en profitent. Donc, vous devez être suffisamment relax pour qu'ils soient content, suffisamment cool pour qu'il soit content, suffisamment bienveillant pour qu'il vous apprécie, mais suffisamment strict pour qu'il travaille quand même. Donc vous devez vous faire écouter, vous devez vous faire respecter. Et c'est en vous faisant écouter et respecter que, euh, que euh, vous pourrez... Euh, vous pourrez vous faire, euh, vous, vous pourrez proposer par la suite un travail plus intéressant. Alors, je fais une petite parenthèse juste pour Ryan. Euh, prévoir du matériel en maternelle. Je vais aborder le matériel plus tard. Ne vous inquiétez pas. Euh, vous indiquez les règles. Mais je parle quand même principalement de l'école élémentaire, mais on pourra faire une petite parenthèse pour la maternelle. Vous indiquez les règles. Attention, avec moi. Je ne sais pas comment ça se passe avec votre maîtresse ou avec votre maître, mais avec moi, on lève le doigt pour parler. Je, je, il est hors de question que je reparte avec euh, la migraine. On lève le doigt pour parler. Hein. C'est pas compliqué. En plus, ça vous fait faire un petit peu d'exercice physiquement. Ça va vous muscler les épaules. Vous allez voir, c'est très intéressant. Euh, on ne va pas aux toilettes pendant la classe. Donc euh, vous, avez les, vous avez la récréation, vous avez le temps du repas, euh, vous avez de nouveau la récréation. Il me semble que vous pouvez tenir une heure, une heure et demie sans aller aux toilettes. Hein. Moi, je suis capable de le faire, vous, vous êtes capable de le faire, on est d'accord. De toute façon, je suppose que votre maîtresse ou votre maître fait la même chose. On travaille dans le calme, dans le calme. Parce que c'est en travaillant dans le calme que... On se concentre mieux, on va plus vite et après on aura du temps pour faire des choses plus agréables. Et alors, je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais dans mes classes, on ne se moque jamais. Il n'y a pas de questions stupides. Donc, vous ne savez pas quelque chose, vous n'avez pas compris quelque chose, vous levez le doigt, vous posez votre question, on réexplique. Moi, vos copains, tout le monde explique, et après, euh, tout roule, mais à aucun moment. Aucun moment, on ne se moquera, parce que quand on se moque, on n'est jamais à l'abri que les autres ne se moquent de vous après. Vous devez parler de manière ferme mais agréable, c'est-à-dire que quand on a une voix super stridente, qu'on parle toujours comme ça, piccolo alors, alors maintenant vous allez sortir votre hardeau. Oh là Imaginez pendant 6 heures les enfants entendre ça, c'est la galère. En plus, plus vous parlez fort. Plus vous parlez vite, alors si vous parlez trop vite, ils n'ont pas le temps d'assimiler, vous parlez fort, eux ils vont se mettre à parler fort. Et quand ils parleront à leurs voisins au lieu de chuchoter, ils parleront fort. Et quand ils vous parleront, ils parleront fort, ça va. le ton va monter, vous parlerez encore plus fort, ça sera l'horreur. Donc parlez normalement, voire même parfois, chuchoter en fonction de... Alors, je vais vous proposer un exercice. Mmh. Celui-là, je pense qu'il s'adresse à des champions. Donc on va voir si vous, vous êtes des champions. Et là, ça y est, ils sont avec vous là. Ils sont captés. Euh, et vous n'avez pas parlé fort. Et vous n'avez pas tapé du poing pour avoir leur, leur euh, attention. Non, vraiment, euh, parler doucement mais fermement. Expliquez vos objectifs. Bon, écoutez, dans la journée, euh, votre maître m'a euh, laissé euh, un emploi du temps. On va aborder ça, 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 ça. Ça, c'est l'objectif. C'est tout ce qu'on a euh, prévu de faire. Moi, j'ai prévu. De faire un petit jeu, là, qui serait sympa. Euh, je suis sûre que vous allez adorer. Seulement, euh, comme il m'a demandé de faire tout ça, il faudra que tout ça, ça soit fait avant de faire le jeu. Et puis, donc, prévoyez des activités, donc, que vous allez prévoir chez vous, que vous reporterez dans toutes les classes, des petites activités agréables, exceptionnelles, sur le temps qui vous reste. Alors, pour organiser votre journée, vous allez bien sûr euh, vous appuyer sur ce que vous allez trouver en classe, c'est-à-dire que s'il y a un cahier journal qui est déjà rempli, vous vous appuyez sur le cahier journal. S'il si, euh, n'y a pas de cahier journal, vous avez le cahier des élèves. C'est-à-dire que quand vous allez arriver en CE2, vous allez vous dire, bon alors, ils en sont où Est-ce que je parle Est-ce que j'aborde les, les additions que... Ben, Vous prenez le cahier des élèves. Vous voyez que ça fait trois jours qu'ils sont sur les additions. Ils ont l'air de, de, de comprendre, hop, on en fait une ou deux sur l'ardoise et vous pouvez peut-être aborder les additions à retenue. Pourquoi pas? Euh, vous partez sur ce qu'ils ont déjà fait. Vous n'allez pas vous lancer dans l'addition à retenue comme ça. Oh, bah tiens, addition euh, à retenue, s'ils si, si n'ont même pas vu l'addition. Donc appuyez-vous. Le cahier journal, vous ne l'aurez pas obligatoirement, mais le cahier des élèves, ça m'étonnerait que l'enseignante emmène les 25 cahiers des élèves chez elle. Donc vous aurez le cahier des élèves. Euh. Si euh, on ne vous a laissé aucune directive, donc vous vous appuyez sur les euh, programmations, euh, sur tout ce que vous trouvez dans les livres, euh, sur si par exemple vous adorez la géométrie et que vous avez envie de faire de la géométrie, vous allez vous appuyer sur ce qu'ils sont censés faire dans la période où vous êtes. Euh, en géométrie, vous regardez rapidement le, le cahier pour voir si ça vous semble logique, euh, si ça tombe bien, et puis c'est bon, vous pouvez vous lancer. Je vous conseille de vous lancer sur un, un domaine que vous appréciez tout particulièrement si vous n'êtes pas euh, tip top en, en géométrie, vous a, en, en, oui, ben en géométrie pourquoi pas, et qu'on ne vous a euh, pas laissé de directive en disant il faut faire cette leçon-là en géométrie, ne vous lancez pas dans la géométrie. Si pour vous c'est un peu euh, compliqué, alors on est en CM2, bah tiens, on va essayer de faire euh, le calcul d'air, enfin, on va fait tracer, on va... On va oh, si c'est pas votre truc, euh, ne vous lancez pas là-dedans essayez de voir euh, de, de voir plutôt ce que vous vous aimez Alors euh, je euh, vais passer en médaillon je vous fais voir euh, tata, tata, ressources personnelles et là je clique en document par exemple euh, dans tout ce que vous pouvez euh, présenter. Euh, en plus de ce que vous pouvez faire euh, euh, directement hein, sur le tableau ou avec le tableau euh, numérique, choses comme ça. Voilà des choses qui sont intéressantes en élémentaire et que vous pouvez avoir tout le temps dans votre cartable parce que ça vous aidera à préparer de manière impromptue, à proposer de manière impromptue une séance. Alors, vous avez euh, euh, en lecture des, euh, des, moi je pour ceux qui me connaissent parce qu'ils m'ont déjà vu euh, chez Objectif CRPE ou même à Passion Pédagogie, j'en parle souvent. Moi, moi j'adore Bernard Friot. Donc vous avez les albums de Bernard Friot et vous avez des, si vous n'avez pas euh, les livres, pas des albums, des petits livres pardon de Bernard Friot, les histoires pressées et les nouvelles histoires pressées. Et si vous n'avez pas ces livres, sachez que sur Internet, vous, vous trouvez des textes très intéressants. Je vais, voir, je vais vous faire voir tout de suite tout de suite, un exemple de texte. Voilà, je vous ai mis par exemple l'autobus de Bernard Friot, que j'adore, j'en parle très très souvent, euh, qui est un texte que vous pouvez utiliser de manière très différente. À partir du moment où vous l'avez photocopié, vous arrivez dans la classe. Vous savez que euh, vous avez ça, cette photocopie-là qui est toujours dans votre cartable. En fonction du niveau de classe que vous avez, par exemple CE2, CM1, CM2, par exemple, vous allez euh, envoyer un enfant voir la directrice, ou je ne sais pas, ou si vous arrivez en avance, vous faites une photocopie pour chaque élève de ce texte-là ou vous le projetez euh, au tableau, sur le tableau numérique. Vous pouvez travailler la lecture-compréhension. Vous pouvez travailler la lecture fluence. Vous savez la lecture fluence c'est quand on demande de lire le plus vite possible sans s'arrêter euh, disons plutôt une sorte de chauffeur d'autobus parce qu'il n'avait pas euh, il n'avait pas de casquette à cause des piquants qui lui poussaient sur la tête. C'était pas vraiment hérisson. la preuve c'est qu'il avait une carapace. Le plus vite possible et vous vous chronométrez les élèves adorent ça. Vous pouvez faire des arts visuels à partir de ce texte là puisque euh, ça parle d'un autobus et ça parle d'un chauffeur d'autobus très particulier tous les deux. Et vous allez leur demander d'inventer sur une feuille blanche, à l'aide de leur crayon de couleur et de leur feutre, euh, le personnage et l'autobus et après vous comparerez, vous échangerez sur ce qu'ils vous ont produit. Et puis vous pouvez aussi, euh, en fonction du niveau de classe, en CM1, CM2, vous pouvez très bien faire une production euh, d'écrits. Euh, oui, Ingrid, vous aurez euh, la synthèse du cours. En principe, elle sera mise, euh, je pense, à partir de lundi. La synthèse du cours et vous avez tous les documents qui vous seront proposés. Je ne sais pas s'ils sont déjà proposés, mais vous les aurez tous. Il n'y a pas de problème. Vous n'aurez plus qu'à imprimer tout ça. Donc, euh, production d'écrit. je vous ai mis un autre texte que j'adore, euh, texte libre. Dimanche, je suis allée chez mon tonton et ma tata, on a mangé du poulet avec des frites. Après, on est allé aux eaux, on a vu le tigre dans sa cage, quelle belle journée. Jusque-là, vous leur lisez, moi j'aime bien leur faire découvrir. Vous leur lisez, ils n'ont pas le texte. Ouais, bon. Lundi, je suis allée chez le tigre, on a mangé mon tonton et ma tata avec des frites. Après, on est allé aux eaux et on a vu le poulet dans sa cage, quelle belle journée. Alors là, déjà... Ça commence à bien sourire dans la classe. Mardi, je suis allée chez le poulet avec des frites. On a mangé le tigre. Après, on est allé aux zoo et on a vu mon tonton et ma tata dans leur cage. Quelle belle journée. Alors là, éclat de rire. Et là-dessus, à partir de ce travail-là, vous avez bon euh, compréhension. Là, tout le monde a compris. Euh, ce texte-là, vous pouvez même le lire en CE1, par exemple, et le faire travailler en CE1, du CE1 au CM2, mais de façon complètement différente, parce que euh, vous pouvez après leur lire une deuxième fois en disant vous écoutez bien toutes les paroles maintenant. Et puis après, vous relisez et quand vous, vous arrêtez, ils doivent deviner le mot qui manque. Ou alors, vous leur projetez. Il le lise plusieurs fois et puis euh, quand vous le l'effacez, euh, vous le retirez et puis euh, euh, vous lisez et euh, vous arrêtez un moment et il va falloir qu'ils sachent écrire le mot poulet. Ça c'est par exemple dans les euh, SM, euh journée ou des choses comme ça pour qu'ils so soient obligés de regarder et à chaque fois leur, vous leur reprojetez. Bon, regardez bien le deuxième paragraphe. Maintenant, attention, la dictée concernera le deuxième paragraphe. Et là, vous les avez tous dans la lecture. Ils sont tous en train de regarder tous les mots. Attention, j'efface et je dis euh, on a mangé euh, mon tonton et ma tata avec des Hop, frites. Ah, deux T, un T, deux T, un T. Je reprojette et ils regardent tous. Ils relisent tous. Ça veut dire qu'ils vont avoir lu deux, trois fois tous tous les mots. Et vraiment tous. Et trouver un moyen de les faire lire. Tous en même temps, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Euh, donc vous avez avec ce texte-là, vous pouvez aussi donc travailler sur la production d'écrits avec des élèves euh, de en grande classe, leur demander d'inventer euh, le mercredi ou d'inventer un texte. Euh, vous allez euh, proposer euh, trois animaux, euh, des animaux ou des éléments différents ou des lieux différents avec en parlant au lieu de remplacer le zoo par l'école par exemple, euh, remplacer Tonton et Tata par euh, Papa et Maman, euh, remplacer euh, euh, le l'animal par, par la maîtresse, enfin des choses comme ça, et à eux d'inventer un texte, et vous verrez, ça marche super bien. Euh... Ensuite, je retourne sur le plan vertical. Voilà. Donc ça, ce sont les... Ah non, je retourne, excusez-moi, sur les ressources personnelles parce que je ne vous ai pas tout fait voir. Euh, des albums ou histoires à offrir. Alors là, je m'adresse à la personne qui m'avait écrit tout à l'heure euh, pour les maternelles. Euh, ayez toujours des albums, et vous allez vous apercevoir qu'il y a... Alors, moyenne et grande section, vous pouvez avoir un album pour chaque. Euh, petite section... Vous pouvez euh, vous pouvez avoir euh, un, un album dédié aux petites sections, euh, des albums comme euh, bien sûr il y a tout ce qui est boucle d'or, ça ça marche à chaque fois pour travailler les trois ours. Vous travaillez sur trois, vous travaillez sur les ours, vous travaillez euh, euh, sur petits, moyens, grands. Il y a plein de choses que vous pouvez travailler à partir de boucles d'or. Mais euh, sinon vous pouvez travailler euh, sur le, mon le monstre tableau, euh, euh, des, des, le monstre du tableau, plein de choses, plein d'albums que vous pouvez emmener en maternelle, en élémentaire, ayez euh, des albums jusqu'en CM2. La lecture offerte, c'est un moment privilégié, ils adorent. Alors petite parenthèse, euh, moi à Noël, je rassemble tous les élèves autour du sapin au fond de la classe. Euh, on éteint toutes les lumières, il y a la guirlande qui clignote, et euh, on fait ça généralement à une heure et demie, parce que c'est le moment de lecture euh, autonome. Et euh, là, je leur offre une lecture. Alors, je trouve des lectures de Noël, généralement, quel que soit le, le niveau de classe, des lectures de Noël, je leur raconte, euh, je leur lis l'histoire de Noël. Euh, ils sont tous et alors euh, je leur dis qu'ils ont le droit d'emmener leur doudou, c'est amusant hein. jusqu'en CM2 ils amènent des doudous. Hein. Euh, toute la journée le doudou il est sous le sapin et au moment de la lecture offerte ils s'assoient autour du sapin autour de moi et ils prennent leur doudou. Je leur lis l'histoire euh, et je leur montre les images ou pas et puis après à la fin ils reposent leur doudou et puis ils retournent à leur place. Euh, avec les grands, avec les CM1, CM2, ce que je commence à faire c'est leur lire des romans et je m'arrête. Au Moment bien sûr, fatidique. On se dit que va-t-il se passer? C'est bon, je Et alors, à ce moment-là, eh bien vous le saurez demain. Oh non, maîtresse continue! Et non, la suite demain. Et bien, si vous avez euh, un remplacement pour deux jours par exemple, euh, le à 4h15, vous commencez une, une lecture offerte avec des grandes classes, ou même avec du petit ailleurs, une lecture offerte, bien prenante, bien intéressante, où on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Vous arrêtez et vous leur dites, oh là Ça y est, c'est l'heure. Pour mettre raison, on veut savoir, veut savoir la suite demain. Et le lendemain, quand ils sauront qu'ils auront la suite de l'histoire à 4h15, s'ils ont fini de boucler tout le travail, eh bien, je peux vous dire qu'ils vont travailler en disant, dépêche-toi, parce que sinon, on ne pourra pas avoir la suite de l'histoire. Euh, non, Mélanie, je ne propose pas vraiment de, de liste d'albums phares par niveau, par cycle, parce que vous pouvez avoir euh, euh, des, des livres euh, pour, pour, tous les, euh, pour plusieurs cycles et puis euh, des listes d'albums, vous trouvez ça sur EduSchool, vous en trouvez plein, plein, plein. Donc euh, après, c'est vraiment en fonction de vous. C'est-à-dire que moi, il y a des albums qui vont me parler et je vais dire, oh, celui-là Et puis vous, vous allez dire, ouais, enfin, pour eux, il n'est pas très, très intéressant.

Théâtraliser votre lecture. Mathématiques, avoir des fiches euh, euh, pixel art, euh, pixel art depuis le, le CP jusqu'au CM2. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les fiches pixel art. Euh, c'est des fiches comme ça. Euh, vous voyez, ça aussi, c'est pareil, je vous, en ai, euh, vous, vous le trouverez en… Euh, donc en, en ressources, mais euh, ça c'est juste des exemples que je vous ai mis et vous voyez que les pixel art, vous avez les premiers qui s'adressent vraiment au CP. On va complexifier un petit peu et puis euh, en dessous ça va être de plus en plus compliqué. Et après on peut même travailler par exemple dans les grandes classes la symétrie sur les pixel art. Vous voyez c'est euh, euh, beaucoup plus compliqué. Et euh, ces pixel art, c'est pareil. Vous n'avez pas euh, obligatoirement euh, besoin d'en de, avoir euh, des, des tonnes de photocopies. Moi, je vous proposerais d'en avoir un exemplaire, un exemplaire très simple, un exemplaire un petit peu moins simple, un exemplaire plus compliqué, et puis euh, euh, d'avoir une feuille, euh, une feuille de, une feuille avec les petits carreaux. La feuille avec les petits carreaux, vous pouvez toujours la photocopier, sinon pas de bloc. Moi, je sais que dans les classes, je demande toujours un bloc à cinq. Et puis euh, ces petits carreaux, euh, ces, 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 ces petits carreaux, vous leur distribuez cette feuilles à petits carreaux, pardon, vous leur distribuez. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un tableau numérique, vous pouvez leur projeter que vous voulez qu'ils dessinent. Mais si vous leur projetez, vous devez accepter qu'ils puissent se déplacer pour compter. Parfois, c'est un petit peu loin, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, ils peuvent avoir un modèle pour deux. Entre deux et bon là, ça vous demande un petit investissement au début parce qu'il va falloir des photocopies couleurs. Euh, mais sinon, euh, vous pouvez essayer de trouver après des dessins qui sont uniquement des pixel art, uniquement en noir et blanc. Comme ça, c'est plus facile vous photocopiez, et puis c'est juste ce qui vont griser qui vont, qui va finir par représenter une forme. Mais ça, c'est euh, très intéressant. Dans les ressources euh, pixel art. Euh, bon, les fiches de dessin symétriques, c'était pixel art. Le tangram ou tangram, selon les personnes. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Euh, toc, 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 euh, je ne sais pas. Le, le tangram, c'est quelque chose comme ça. Je vous fais voir. Donc, c'est un petit... Euh, c'est un petit... Ce sont des... des alors je vous demande pas de l'avoir de aimanté hein. mais vous voyez ce sont des pièces là là je l'aimante pour que vous puissiez les voir des pièces euh, qui vont qui vont s'installer et qui vont faire euh, que, que vous allez mettre en position de manière à représenter euh, des formes que vous allez euh, leur proposer donc c'est un super vous voyez les formes voilà que vous proposez c'est un super travail euh, de hum, euh, sur le, le repérage dans l'espace, le positionnement. Donc, ça veut dire que vous avez une feuille. Vous cherchez sur Internet, Tangram, hein, vous en avez plein. Je pensais en avoir fait un exemple. Vous devez avoir un exemple, mais je ne le trouve pas là. Euh, présentation, exemple, qui est journal, qui ben, est Je ne l'ai pas là. Euh, mais je pense que vous l'avez en ressources. Euh, ce qui veut dire que vous photocopiez des, des formes comme ça euh, noires. Euh, vous, vous photocopiez, vous trouverez sur sur internet et sur les ressources euh, une feuille où il y a tout les, toutes les formes, parce que c'est pas n'importe quelle forme, hein, ce sont des triangles, des carrés, des euh, qui ont des, des des dimensions bien particulières. Vous leur distribuez, ils découpent et vous allez leur demander de vous représenter telle forme, telle forme, telle forme. C'est super intéressant, ça apprend. Euh, du temps de découpage. D'accord, mais très peu de matériel. Et puis, ils sont tout de suite dans l'activité. Et ceux qui découpent très, très vite, ils vont avoir tout de suite les feuilles. Ils doivent représenter la, le premier personnage. Euh, quand ils ont fini, ils appellent et, et, et cochent si ils cochent s'ils ont réussi à faire le premier personnage correctement. Et pendant ce temps-là, les autres peuvent continuer à découper. Et après, les autres rattrapent. Et peut-être qu'ils feront moins de personnages, mais ça n'est pas très grave. C'est un exercice très intéressant. Euh, mentalement et c'est pas euh, perdre du temps et c'est pas faire du remplissage donc ça c'est euh, très intéressant euh, vous pouvez avoir des tangrammes très simples à la limite que vous proposez en, en grande section mais il va falloir là peut-être passer un peu plus de temps à les aider à, à découper donc ça veut dire que dans ces cas-là vous pouvez avoir euh, six tangrammes déjà découpés plastifiés que vous amenez avec vous quand vous êtes en maternelle et euh, vous les sortez sur une table et ça sera un atelier euh, euh, par exemple avec l'atsem si vous avez la chance d'avoir une atsem pour pour essayer de représenter des formes simples que vous leur présentez euh, musique moi je vous conseille d'avoir toujours une petite enceinte généralement tout le monde en a une petite enceinte Bluetooth que vous amenez avec vous de manière à pouvoir utiliser votre téléphone pour euh, pour faire écouter des musiques ou des chansons euh, vous trouverez tout un tas de chansons de maternelle parce que quand vous regardez si vous avez la chance de regarder sur le cahier euh, de l'élève ou si euh, c'est écrit euh, euh, sur, euh, quelque part dans des affichages euh, des chansons de maternelle mais que vous ne connaissez pas euh, euh, obligatoirement euh, pour avoir des noix de coco, est-ce que vous la connaissez Non Eh bien vous tapez pour avoir des noix de coco et puis vous allez avoir la chanson et vous êtes prêts les enfants, attention, c'est parti. Et ils chantent avec la musique, en plus ils adorent, c'est super intéressant. De la même manière, en maternelle, si euh, au lieu de leur raconter une histoire, vous leur euh, passez une histoire généralement qu'ils connaissent, vous avez travaillé sur boucle d'or en début de journée, vous leur dites, écoutez bien, je vais vous passer une histoire, maintenant je veux plus de bruit, et vous leur passez le même boucle d'or mais raconté de manière différente, vous allez les entendre. Vous allez les voir super attentifs parce que ça vient d'une enceinte magique qui, généralement, produit un beau son. Et euh, vous, ça vous repose la voix. Et puis, « Ah, oh, maîtresse, c'est la même histoire que ce matin !» Oui, alors écoutez bien. Euh, voilà. Euh, si vous avez le bonheur de pratiquer un instrument comme la guitare, alors là, c'est magique. Là c'est magique de la petite section au CM2, vous allez tous les scotcher, vous arrivez avec votre guitare, vous pouvez leur jouer bien sûr des chansons qu'ils vont reprendre avec vous, mais vous pouvez aussi leur jouer un morceau. Eh bien écoutez, je vais vous faire découvrir un morceau d'un artiste qui s'appelle Toc Tok et vous jouez. Et euh, voilà, c est, c est, vous pouvez faire un petit quiz musical. Est-ce que vous connaissez cette chanson Est-ce que oh, c'est petit quiz au clair de la lune, frère Jacques Mais ça peut être après des chansons. Euh, il écrit sur les murs le nom de ce. Bref, euh, ça peut être tout un tas de, de, de chansons comme ça, complètement différentes. Mais à partir du moment où vous introduisez un instrument de musique, c'est magique. Et puis, euh, si, euh, si euh, vous aimez beaucoup la musique, vous pouvez aussi euh, prévoir une chanson simple avec, euh, euh, sur une, une photocopie avec des paroles, les paroles d'une chanson très à la mode, qu'ils connaissent à coup sûr, de manière à ce que vous n'ayez pas à, à leur apprendre tout, à reprendre tout depuis le début. Euh, mais euh, je vais dire n'importe quoi. Euh, euh, les Champs-Élysées, par exemple, de Jodassin, généralement, les, je ne sais pas pourquoi, les élèves connaissent, euh, ils connaissent juste, oh, champs élysées pa pa Bon, eh bien, vous pouvez euh, leur distribuer les paroles et puis les faire chanter, les Champs-Élysées, sur deux, trois jours, pourquoi pas. Alors, en art plastique, sans avoir, il va falloir que vous puissiez prévoir des choses où vous n'aurez pas beaucoup de matériel. Donc, vous pouvez euh, prévoir des arts plastiques. Par exemple, si vous êtes en élémentaire, euh, prévoir des arts plastiques où les élèves doivent absolument utiliser, pour tout ce qu'ils vont représenter, la règle et le crayon de papier. Euh, vous allez me représenter un portrait. Tout le monde sait ce que c'est que le portrait. On a tous travaillé. Sur, vous avez déjà travaillé sur la notion du portrait. Là, je parle de l'élémentaire. Eh bien, vous allez travailler sur le portrait. Et puis, euh, avec euh, ce portrait, euh, euh, je veux voir, bien entendu, tout ce qu'il y a dans un portrait. Je veux, en regardant votre production, je veux que tout le monde puisse dire Ah, ben bah, ça, c'est vraiment un portrait. Mais, ce serait beaucoup trop simple je veux que tout ce que vous allez faire soit tracé à la règle et au crayon de papier. tout? oui, mais comment on va faire les yeux? tout? oui, mais alors, par exemple, le nez il est arrondi? tout? là, vous allez mettre les élèves en situation de recherche. comment vont-ils faire pour pouvoir représenter? voilà, ils vont être dans la recherche. ça c'est mon petit côté art plastique qui ressort. ils vont être dans la recherche. c'est ce qu'on attend. ils vont être dans la production. C'est ce qu'on attend. Et après, vous allez présenter. Vous pouvez afficher euh, au tableau ce qui a été fait. Super. On va échanger dessus. Alors, c'est pas assez beau, c'est moche. Hein. Ça, c'est vraiment pas productif. Et vous leur dites Ah non, 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 non. ce que toi tu le trouves beau Moi, je le trouverais peut-être moche. Hein. Mais tu le sauras jamais. Est-ce que toi tu le trouves moche Moi, je le trouverais peut-être beau. Mais c'est pas le beau et le moche qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce euh, que la consigne a été respectée. On regarde. Ah. Pourquoi ce, tu dis que cette production-là n'est pas correcte Oui, bah oui, euh, il n'a pas utilisé Drake pour, pour les yeux. D'accord Là, là, là. Voilà. Et après, vous pourrez présenter. Euh, une ou deux, euh, soit vous projetez sur avec le, sur le tableau numérique si vous avez la chance d'en avoir un et que vous aurez votre petite clé USB avec tous les documents dedans, soit vous avez euh, euh, pris soin de photocopier avant et vous vous baladez toujours avec dans votre cartable euh, une ou deux œuvres, par exemple de Picasso ou de Braque, et vous montrez, voilà ce que des grands artistes ont fait. Et là, en une séance, vous avez fait toute une, tout, tout ce qu'il faut présenter en art plastique et vous leur avez donné accès à la culture à travers euh, cette séance d'art plastique. Toujours avoir une clé USB, une clé USB avec euh, vos euh, comment ça s'appelle euh, vos, vos ressources tout ce que vous pouvez euh, euh, avoir, par exemple les textes de Bernard Friot, euh, si, si vous pouvez les projeter, euh, les des, des pixels art très simples, des tout, tout tout ce dont vous pourriez avoir besoin, des exercices, euh, par exemple l'année prochaine les Jeux Olympiques, euh, vous pouvez très bien prévoir une petite copie sur euh, sur les Jeux Olympiques, ça vous trouvez des vous trouvez sur l'historique des Jeux Olympiques, par exemple, vous trouvez ça euh, euh, sur, euh, sur Internet, vous trouvez plein, plein de choses comme ça. Attention, faites, ne tombez pas dans le niaiseux. Hein. À chaque fois que vous prenez des ressources Internet, si ça peut être estampillé Académie 2, c'est quand même euh, un gage de qualité. Euh, et puis, dans tous les cas, vous, vous devez lire et relire ce que vous présentez. Euh, ayez, euh, par exemple, des. Euh, si vous pouvez télécharger des C'est pas sorcier. Euh, C'est pas sorcier, euh, so soit. Généraux que vous pouvez passer pour dire bah tu vois, on va travailler sur autre chose par exemple sur l'art, hein. euh, sur le Moyen Âge, sur euh, sur euh, la Préhistoire, sur des sujets comme ça et en fonction de la classe dans laquelle vous arriverez euh, même si pour une raison quelconque vous êtes en vous êtes en en CM1. Et que vraiment là il y, y a un gros bug vous ne savez pas quoi faire et que, et que vous leur passez un c'est pas sorcier sur euh, la préhistoire et ben c'est pas perdu c'est toujours rappeler la culture c'est pas au programme certes mais c'est c'est pas non plus leur faire faire du coloriage alors euh, donc du coup je retourne je retourne tourne là et je retourne là donc privilégier euh, privilégier les révisions si vous arrivez dans une classe et non les euh, nouvelles leçons d'apprentissage en fait euh, à part si euh, vous avez un mot de, de l'enseignant qui vous dit euh, il faut absolument que tu introduises telle notion si vous êtes en remplacement sur, attention, si vous êtes en remplacement sur, sur 15 jours il n'y a pas de problème vous allez, vous allez euh, euh, parler de nouveaux apprentissages hein, bien entendu mais si vous êtes là sur une journée voire deux jours hein, il vaut peut-être mieux réviser ce qu'ils qu qu viennent d'apprendre qui est tout faux qui est tout récent plutôt que de commencer à vouloir vous lancer dans un apprentissage sur les fractions alors que les fractions ça va durer sur plusieurs séances que vous ne laisserez pas votre enfin votre euh, séance euh, votre fiche de séance à l'enseignante qui ne saura pas ce que vous avez fait vous n'avez pas fait comme elle avait prévu elle avait prévu autrement elle avait tout enfin bon bref faites dans le simple l'objectif c'est que les élèves soient en train de travailler en train de s'amuser mais que euh, mais, mais qu'il ne soit pas perdu non plus donc faites toujours dans le simple privilégiez les révisions mais sur du long terme bien entendu il va falloir faire des apprentissages alors donc quelques erreurs à éviter encore une fois ces erreurs vous risquez de les faire mais vous, si vous débutez dans les remplacements, bah c'est logique. Donc ne vous inquiétez pas. Euh, vouloir débuter une séance qui demande beaucoup de matériel ou de préparation. Euh, par exemple, vous voyez sur l'emploi du temps, on va faire, euh, on va travailler en maternelle sur euh, ça flotte, ça coule. Avec tel groupe. Bon, alors, d'abord, il faut mettre les autres groupes en activité. Vous prenez tel groupe, ça flotte, ça coule. Ah, dans quoi je vais faire ça On vous, a... vous n'avez pas de vous n'avez pas de bassine, vous n'allez pas aller au lavabo parce que vous avez les autres groupes qui sont là. Vous n'avez pas les objets qui flottent, qui coulent. Vous n'avez pas, vous n'avez pas. Ah eh ben, vous ne le faites pas. Vous n'allez pas euh, prendre un temps pas possible, laisser les gamins en inactivité, ce qui fait que le temps que vous arriviez à tout rassembler, à les mettre en activité, les autres ou, ou, qui sont aux ateliers autonomes ou semi-autonomes, ils auront déjà fini, il faudra changer de groupe, enfin ce sera une galère pas possible. Donc, euh, surtout, vous ne prévoyez pas des, des séances avec beaucoup de matériel ou de préparation. Euh, si vous êtes en élémentaire, ça va commencer à papoter dans tous les sens, et là vous ne les récupérez pas. Si vous tournez le dos trop longtemps en élémentaire aux élèves et que vous écrivez un texte interminable au tableau, là vous pouvez être sûr que pendant que vous êtes tourné, ils vont commencer à parler, ça va vous énerver. Vous allez passer votre temps à vous retourner, vous vous perdrez du temps à écrire, donc ça ne va pas. D'où l'intérêt euh, d'avoir, euh, de pouvoir projeter euh, au plus possible. Bien. Par exemple, vous êtes là pour 15 jours, euh, vous devez euh, leur apprendre une nouvelle poésie. Si la maîtresse, euh, euh, si l'enseignante vous a marqué euh, « leur apprendre telle poésie », eh bien, vous ne le faites pas le premier jour. Vous la copiez chez vous euh, sur Internet et vous projetez euh, au tableau, euh, vous la… Vous la copiez chez vous sur, sur l'ordi, pas sur internet, sur l'ordi, et le lendemain vous la projetez sur le tableau blanc. Si vous avez la chance d'avoir un tableau blanc, comme ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire. Sinon, vous utiliserez le temps de la récréation pour écrire au tableau, et c'est à ce moment-là que vous ferez poésie, même si à l'origine la poésie n'était pas prévue à cette heure-là. Vous intervertirez, ça n'est pas bien grave. Euh... Si vous devez proposer. Euh, des apprentissages que vous ne dominez pas, par exemple en sciences. Euh, alors, donc, euh, pourquoi, pourquoi les volcans Alors, les, les volcans, euh, ben non. Euh, qui a des questions Oui. Alors là, ben, je ne sais pas bien. Enfin, si vous faites ça, vous les perdez. Oui, le maître, c'est pas, c'est pas intéressant. Si elle ne sait pas, je vois pas pourquoi nous on écouterait. Donc, vous voyez que vous ne dominez pas euh, CM2 sciences. Je dis n'importe quoi sur les volcans. Eh bien, vous ne faites pas. Vous ne faites pas et vous passez à autre chose. Tant pis, ce jour-là, il y aura pas. Et euh, si vous êtes là sur plusieurs jours, eh bien, euh, les volcans, vous les ferez un autre jour où vous aurez un peu plus réfléchi. Alors, emploi du temps type. J'espère que je vous euh, que je vous m'avez tout, que, enfin, que vous me suivez tous, qu'il n'y a pas de problème. Il y en a certains sur Facebook, j'arrive à lire euh, les, les commentaires, mais alors à côté, il euh, n'y a pas de commentaires euh, depuis 54 minutes. Alors j'ai des petits doutes, je ne sais pas si c'est la page qui se réactualise pas, je n'en sais rien. Euh, dans tous les cas, si c'est le cas, excusez-moi, mon dernier message, c'était celui de Cyril il y a 54 minutes. Je ne sais pas. Euh, donc, emploi du temps type, ne jamais laisser les élèves sans occupation, maternelle, élémentaire, sans occupation, ça va être le cirque. Euh, vous essayez de vous adapter au mieux à l'emploi du temps et si vous le connaissez... Sauf s'il est trop contraignant, comme je vous l'ai dit. Euh, aussi, vous ne vous le sentez pas quand il y a, par exemple, euh, marcher pendant dix minutes pour aller au gymnase, pour euh, alors que c'est à 8h30, demie que vous connaissez pas les élèves et que ça vous gêne. Et ben, vous dites non. Aujourd'hui, il y aura pas sport. Je suis désolée. Si on a le temps à la fin de la, de la journée, on fera sport dans la cour. Mais euh, euh, vous ne vous sentez pas partir avec une classe que vous ne connaissez pas ou il faut traverser trois routes euh, nationales. Eh ben, vous ne le faites pas. Euh, écrivez au tableau l'emploi du temps de la journée. Ce sera l'avantage que vous marquez, on va faire ça, 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 ça. Tout ça, c'est demandé par euh, l'enseignant ou tout ça, c'est sur, sur l'emploi du temps de, de votre maîtresse ou de votre maître. Donc, on va le faire. On va essayer de le faire de façon agréable parce que regardez là, il y a un petit bonus et vous marquez bonus avec des petits cœurs. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Et euh, vous marquez euh, le bonus jeu de, enfin, ou lecture ou euh, voilà. Et comme ça, euh, ils auront vraiment très envie d'arriver à ce bonus. Donc vous expliquez aux élèves les changements comme le coût du sport. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le faire là. On va essayer, je vais trouver une solution pour qu'on puisse le faire avant la fin de la journée, dans la cour ou autrement, mais euh, voilà. Et puis, euh, prévoir euh, les, des jeux pédagogiques qui combleront les moments libres. Donc, dans les jeux pédagogiques, euh, je vais vous en expliquer. Alors, il y a marqué, euh, j'ai marqué exemple, quai journal du remplaçant. On va voir tout de suite euh, le journal. Mais, euh, par exemple, dans les jeux pédagogiques, moi, ce que j'aime bien faire avec euh, mes élèves euh, lors des remplacements, c'est euh, sur le tableau qui est derrière. Je leur dis, bon, vous sortez votre ardoise. Euh, ils ont l'artoise, le feutre, ils sont prêts, ils s'amusent, ils crient. Un... Non, 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 le feutre est posé, les mains sur la tête. Donc et là, ils regardent et ils se disent Mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire là Les mains sur la tête. Et je dis, moi, je vais au tableau écrire des choses. Vous allez les regarder pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, euh, si par exemple vous avez la chance d'avoir un tableau avec des volets qui se ferment, ben, vous faites euh, de façon à pouvoir fermer le volet et que ça cache ce que vous avez écrit. Sinon, euh, il, si vous avez un tableau numérique, vous le faites, vous éteignez le tableau, vous le rallumez, c'est un peu pénible, euh, mais ou vous changez de page comme ça on ne voit pas, puis vous revenez à la page précédente. Euh, si vous n'avez, mais généralement vous avez l'un ou l'autre. Sinon, vous, vous trouvez des solutions, vous vous adaptez. Et euh, par exemple, vous allez marquer au début euh, là un carré, alors un carré, un triangle, un rond et une étoile par exemple. Vous avez bien vu? Au top, vous. Non, non, les mains sur la tête, là. Au top, j'ai dit au top, pas avant, ne triche pas. Je vais effacer. Au top, vous avez 5 secondes pour écrire, ou 10 secondes pour écrire tout ce que j'ai mis au tableau au même endroit exactement. Attention, si je fais un soleil avec 5 rayons, je veux voir un soleil avec 5 rayons. Attention, top. Et là, ils sont à fond. Ils regardent à fond. Il n'y a plus un bruit dans la classe. Attention, j'éteins. Top. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, c'est parti, on lève. Et là, vous les voyez. Et en fait, vous commencez comme ça par des, des, petits, des petites choses toutes simples. Et plus ça va, plus vous allez rajouter des éléments, plus vous allez les complexifier. Parce qu'à un moment, il y a un, un, un soleil avec cinq rayons. À un moment, vous allez avoir trois traits. À un moment, vous allez avoir le chiffre 42, mais juste au-dessus, vous allez avoir le chiffre 24. À un moment, enfin, vous allez avoir des choses de plus en plus compliquées. Et vous allez vous apercevoir que les élèves vont devenir de plus en plus attentifs. Et c'est un jeu qui est plutôt intéressant pour, d'abord, pour les recentrer tous et pour les, les focaliser, les travailler leur attention. Et par exemple, avant un exercice de lecture d'indices, ben, c'est super intéressant. Là, ils sont à fond dedans. Eh bien, vous voyez là ce que vous avez fait sur le tableau. Maintenant, je vais vous présenter un petit texte de lecture. Et puis, vous allez, euh, vous allez être obligé. Enfin, vous allez vous mettre dans la posture d'un enquêteur. Il se passe quelque chose. Il y a des indices. Je vous demande de trouver les indices qui vont permettre de répondre à la question. Voilà. Et ils sont dedans là. Ils, ils sont en plein dedans. Donc, je vous fais voir. Euh, les petits, le exemple de cahier journal du remplaçant. Alors, euh, médaillon, est-ce que c'est celui-là? Voilà, et là, document. Alors, je vous fais voir un exemple de cahier journal et ça euh, qui est, euh, est pré-rempli. Et par exemple, vous avez, vous avez ça euh, rempli comme ça, si vous arrivez en fonction des classes, vous pouvez reprendre la même chose. Ça vous donne un petit peu une ligne à condu de, de conduite à tenir. Et puis, ça vous rassure parce que vous, vous avez un petit peu un timing. Euh, voilà. Donc, 8h30. Euh, vous faites tous les différents appels, qui peuvent durer super longtemps. Et pendant ce temps-là, euh, les élèves fabriquent leur petit chevalet avec la feuille que vous leur avez distribuée. Vous leur avez montré ce que vous vouliez. Ils plient comme ça, comme ça. Ils écrivent en majuscules d'imprimerie, en très gros, au feutre foncé. Est-ce qu'on peut prendre du rose fluo Non, au feutre foncé. Et le jaune, ça va Au feutre foncé. Toutes les décors que vous ferez autour après vous pourrez les faire de la couleur que vous voulez mais pour que je puisse lire votre prénom à l'autre bout de la classe vous le faites au feutre foncé d'ailleurs regardez moi je vous ai fait mon chevalet il est sur mon bureau comme ça vous le voyez voilà et pendant cela vous faites les différents les différents appels et puis euh, quelque chose pour les pour les prendre tout de suite en main moi j'aime bien le calcul rapide le calcul rapide pourquoi parce que euh, sur l'ardoise euh, c'est quelque chose qui va euh, les faire les mettre tous dans l'activité vous allez vous apercevoir automatiquement de ce qu'ils font tous euh vous, vous verrez tout ce qui a, euh, tous ce qu euh, tout, tout ceux qui ont des difficultés d'un seul coup, tous ceux qui sont super à l'aise d'un seul coup. Et vous commencez par une dictée de nombre. Parce que si vous êtes en, en CP ou si vous êtes en CM2, vous pouvez faire une dictée de nombre. Hein. Vous nous avez juste à adapter en fonction des nombres qu'ils ont appris jusqu'à présent. Et là, vous vous référez au cahier euh, du jour. Euh, ranger du plus petit au plus grand. Bah, si vous êtes en CP, vous allez ranger euh, trois nombres. Alors, ça va être 3, 9, 6. Allez, tu les ranges du plus petit au plus grand. Et puis, si vous êtes en CM2, ça va être 1 230 000. Voilà. Euh, vous allez pouvoir euh, leur demander, par exemple, ajoute 1 à chaque nombre. Là, ça va être ajoute 100 à, ou 1000 à chaque nom. Vous voyez, ça ce sont des choses que vous allez pouvoir après faire instinctivement très rapidement. mais en tout cas où ils sont tout de suite tout de suite tout de suite en activité et s'ils sont tout de suite en activité et en activité intelligente, ça veut dire que dans leur tête, eh ben ouais vous êtes une maîtresse hein, ou un maître, il n'y a pas photo euh, puisque vous les faites travailler, c'est bon. Non, bah bon, bon, Après toutes ces choses- là, vous pouvez en rajouter euh, pas mal. Lecture. Euh, donc, lecture, euh, par exemple, Bernard Friot. Pour les, pour les plus grands, je vous expliquais tout ce que vous pouviez faire. Et puis, si vous êtes en CP, bien entendu, ça va être une lecture, euh, bah, vous allez vous appuyer sur le, le livre du jour. Et là, dans ces cas-là, vous allez reprendre la dernière lecture pour la reprendre. Et puis, vous allez peut-être voir, en fonction du son qui a été abordé, pour, euh, pour euh, reprendre, travailler uniquement sur les mots. Qui ont été vus, euh, et puis essayer de, de, de faire recopier les mots. Peut-être si c'est sur le, le son M, par exemple, leur demander sur l'ardoise d'écrire A, mi, des choses comme ça, enfin, lecture. Euh, si vous êtes dans une grande classe, donc vous pouvez avoir la production d'écrits. Euh, si, soit vous inspirez de, de, de Bernard Friot, soit quelque chose que j'aime bien, euh, euh, c'est tous les jours je. Et ils écrivent une phrase, tous les jours je. Euh, alors ça va être du très simple, tous les jours je mange à la cantine. Alors, euh, ok. La syntaxe est correcte, tout le monde est d'accord, super. Par contre, élémentaire quoi, euh, CM2, tous les jours je mange à la cantine. Euh, moi j'aurais marqué, euh, tous les jours. Je mange tous les jours à la cantine, je mange un dinosaure avec une sauce à la limace. Voilà, ça c'est mon petit côté un petit peu rigolo, parce que si vous apportez un petit peu d'humour, ça va développer leur imagination et là ils vont pouvoir se lâcher. S'il faut que ce soit quelque chose de bien concret, si vous leur dites je mange un rôti de veau à la sauce aux champignons, pff, ils vont être un peu coincés. Mais si vous commencez à partir dans, dans de l'irréel, là ils vont être à fond avec vous. Euh, ensuite, ou alors en vacances, nous. En vacances, euh, nous avons pris une soucoupe volante pour aller sur Mars. En vacances, euh, nous avons été à la mer euh, nager avec les dauphins en vacances, voilà. Donc des petites, des petites phrases, et vous partez sur une seule phrase, et ils l'agrandissent de plus en plus, ils l'enrichissent de plus en plus, et puis en fonction du niveau de classe, ils vont faire, vous allez dire, bon, alors maintenant, vous me rajoutez des adjectifs, hein, vous, vous avez vu ce que c'est qu'un adjectif. Donc, je veux au moins deux adjectifs dans votre phrase. Enfin, vous pouvez euh, introduire des contraintes comme ça. Les contraintes, vous les marquez au tableau comme ça, quand ils arrivent avec une. Regarde, maîtresse, ce qu'on a écrit. Euh... Euh, oui, d'accord, tu as écrit une phrase. Elle a un sens, mais seulement. Moi, j'ai dit que je voulais deux adjectifs et que je voulais, euh... je sais pas, le mot. Euh... Le mot. Le mot. Euh... Marmelade. Voilà. Euh... Récréation. On l'avait vu. Anglais. Alors, un petit. Un petit euh... quelque chose qui est sympa. En anglais, si vous avez des cours d'anglais, ou même s'il n'y a pas prévu de cours d'anglais, vous allez voir sur, euh, sur Internet, vous allez trouver, euh, vous tapez GoGo -go, euh, pour apprendre l'anglais. C'est un petit dessin animé, si vous avez la chance d'avoir un tableau numérique, sinon ça ne marchera pas. Et ce petit dessin animé, il est super bien fait parce qu'il euh, est très 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 progressif. Comme c'est un dessin animé, vous avez tous les élèves qui vont être scotchés dessus. C'est un petit, un petit extraterrestre qui arrive sur la Terre, qui rencontre deux petits enfants, Tony et Jenny. Et. Euh ils vont lui apprendre euh, au fur et à mesure à parler. Donc d'abord, première leçon, ils vont dire bonjour, bonjour, je m'appelle, je m'appelle. Euh, euh, et euh, ce petit extraterrestre retourne sur sa, sur sa planète et il voit ses trois copains et il leur explique, euh, je suis allé euh, et j'ai appris à dire bonjour, bonjour. Tout ça en anglais. Ça ne gêne absolument pas les élèves. Ça, vous le passez depuis le CP jusqu'au CM2. Hein. CM2, ça marche d'enfer encore, hein, parce que ça les fait réviser et que comme c'est des euh, bonjour, je m'appelle et tout, euh, ils sont en plein dedans. Et donc ce, cette série, euh, vous pouvez la trouver sur YouTube sans aucun problème. Et puis, euh, ben, ça a l'avantage que c'est une leçon d'anglais qui est toute faite, qui est intelligente. Et vous leur faites écouter une première fois, vous leur faites écouter une deuxième fois. Et puis après, par exemple, vous allez baisser le son et puis vous allez désigner dans les grandes classes quelqu'un qui va être Tony, quelqu'un qui va être Jenny, quelqu'un qui va être Gogo. Et comme ça, ils vont parler, ils vont le dire. Et puis après, vous pouvez même euh, éteindre. Et puis, euh, vous allez euh, euh, prendre trois personnes qui vont venir devant la classe et qui vont jouer le, euh, chaque rôle. Euh, je réponds à Léa, où pouvons-nous retrouver toutes les ressources euh, bah, Les ressources elles doivent être proposées, je crois qu'il faut vous inscrire et puis vous pouvez télécharger euh, toutes les ressources. Euh... J'ai marqué euh, donc géométrie. Euh, si par exemple en géométrie euh, dans les petites euh, dans les petites classes, euh, vous avez commencé à travailler sur euh, la règle, euh, sur utiliser comment utiliser une règle, euh, ça peut être euh, par exemple leur demander de, euh, par exemple, à maternelle, de relier en grande section, relier les points avec des mais des points qui partent dans tous les sens, avec... Euh, avec euh, une règle. Euh, le, le nom pour l'anglais, c'est Gogo. Vous tapez euh, Gogo, méthode pour apprendre l'anglais euh, sur YouTube et vous vous tombez dessus. Euh, et il y, euh, y a énormément de leçons. Et même après, si vous allez plus loin, si par exemple vous êtes sur un long remplacement, euh, vous tapez euh, euh, Gogo, exploitation vous avez des personnes qui ont fait des fiches pour les, les CM1 ou, euh, ou CM2, euh, à imprimer, à remplir, euh, My Name is, enfin bon, et à remplir, et ils doivent savoir lire et remplir, c'est très intéressant. Euh, euh, donc, maternelle, grande section, vous pouvez leur demander de tracer, de relier les points avec une règle, juste de relier des points avec la règle, juste pour apprendre à bien utiliser la règle. Euh, en élémentaire, euh, vous pouvez leur demander, en fonction de euh, la classe, de tracer une tour Eiffel, euh, voilà, ou comme je vous disais, euh, un portrait. Et puis, vous pouvez travailler aussi sur l'EMC, bien entendu. Euh, le droit et le devoir des élèves parce que euh, si ça se passe bien et si les élèves voient que vous êtes dans la bienveillance, ils vont avoir tendance parfois à dire oui, mais alors avec la maîtresse ceci, oui, mais avec le maître cela. Donc là, il n'est pas question pour vous de, de dire... Euh, euh, de dire, euh, ben, euh, ouais, ben, écoute, euh, bizarre ton maître, bizarre ta maîtresse, je comprends pas, ben, ce pas normal. Non, 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 non. Là, l'objectif n'est pas de faire ça. L'objectif, c'est de dire, eh bien, euh, écoute, euh, moi, je ne peux pas, pas t'expliquer pour ce qui se passe avec la maîtresse, parce que je, je, ne, suis pas, euh, je ne suis pas là. Par contre, euh, je sais que parfois, est-ce qu'il n'y aurait pas des élèves qui se comporterait comme ça. Est-ce que euh, tout le monde est vraiment euh, sage et attentif? Est-ce qu'il n'y en a pas qui? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Et là, les élèves vont finir par dire oui. Est-ce que tu n'aurais pas à un moment ah ben si, un peu. Donc alors, euh, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez le droit de faire dans la classe? On a le droit, on a le droit, on a le droit, on a le droit. D'accord, oui, vous avez le droit. Et oui, vous avez le droit de rire, hein? Bien sûr, vous avez le droit de rire. Et si je vous fais une blague, et si vous ne rigolez pas, eh ben, je vais être super vexée. Ces... Vous avez le droit de rire. Mais qu'est-ce que vous êtes obligé de faire Et là, ils vont vous expliquer qu'ils sont obligés de travailler. Ils sont obligés d'avoir des bonnes notes. On n'est pas obligé d'avoir des bonnes notes. On est obligé d'essayer de réussir. On est obligé, alors en fonction du niveau de classe, on est obligé de se donner les moyens. Euh, on est obligé de, de faire de son mieux mais on n'est pas sûr d'avoir des bonnes notes et ce qui compte bien sûr c'est super chouette d'avoir une bonne note mais ce qui compte c'est de d'essayer de, de travailler le mieux possible voilà ce qui veut dire que là vous allez vous mettre dans la poche ceux qui sont moyens ou même ceux qui sont euh, qui ont des résultats... Euh, Très très juste, mais qui essaye de travailler. Et là, vous pouvez donner des exemples. Vous pouvez dire, bah, par exemple, un élève qui a des grosses difficultés et qui va être capable d'écrire euh, trois lignes sans faire une faute d'orthographe, et ben bah, bravo hein. Là, il s'est donné les moyens de réussir quelque chose d'important. Bon, euh, voilà ce sont des exemples et puis euh, le rôle de l'école à quoi ça sert d'aller à l'école? Vous pouvez avoir comme ça tout un tas de, de petits euh, de, de, de petits sujets. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir chez vous une, euh, une feuille euh, où vous avez déjà listé tout un tas de questions. Et que vous pouvez poser et euh, vous les mettez toutes. Et en fonction de la classe, il y en a certaines que vous poserez ou que vous ne poserez pas, juste pour pouvoir relancer la discussion. Parce que parfois, vous dites, bon, alors, euh... et si vous dites alors eux, ben, vous allez les perdre, ils vont commencer à discuter entre eux. Donc, il faut toujours que vous soyez à l'affût. Je vais euh, vous montrer ce petit cahier journal. Moi, je l'ai fait aussi. Vous allez l'avoir vierge. De manière à ce que, euh, quand vous arrivez le jour J, si, si par exemple euh, la veille, euh, vous savez quelle classe vous avez, rapidement au crayon de papier, vous avez imprimé la feuille, vous vous remplissez pour pouvoir vous aider, vous arrivez en classe, vous avez un petit peu une idée de ce que vous allez proposer. Moi, je vous dis, commencez par le calcul, le calcul sur l'ardoise, c'est hyper efficace. Vous avez une idée de ce que vous allez proposer. Et puis, euh, pendant, que, pendant que ça c'est fait, euh, c'est à l'avantage que vous pourrez euh, le photocopier et en laisser un exemplaire à votre, euh, à, à, au titulaire ou à la titulaire qui verra que vous avez travaillé et ce que vous avez travaillé. Voilà. Euh, si vous êtes là pour plusieurs jours, vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez fait la veille pour changer, pour avancer dans, dans ce que vous allez proposer euh, comme apprentissage euh, aux élèves. Et puis si vous êtes là sur très longtemps, ben comme ça, euh, c'est impeccable. C'est votre cahier journal type que vous utiliserez. Encore une fois, ça, je le propose parce que ça me correspond à vous de mettre ce qui vous intéresse. Donc, les horaires, pour que vous ayez une idée du temps que vous, vous pouvez euh, consacrer à chaque domaine, euh, le domaine, euh, l'objectif et l'activité. Donc, objectif, euh, réviser la numération, activité, et vous allez marquer, comme j'ai marqué sur l'autre, euh, dictée de nombre, euh, plus 1, euh, plus petit, plus grand, enfin bon. Tout, tout, pour ne pas, devant les élèves, surtout si vous voyez qu'ils sont très chauds, pour ne pas perdre de temps et être vraiment dans le, dans le travail, le travail, le travail. Euh, en plus, vous marquez le niveau de la classe. Je, je, tiens, j'aurais dû le marquer, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, le niveau, vous l'avez marqué sur le premier document que je vous ai présenté, mais vous marquez le niveau de la classe, et ce qui fait que si la semaine d'après, vous êtes envoyé dans un, une autre école, même niveau, et eh ben, vous avez corrigé au fur et à mesure, le soir, en rentrant chez vous, ça, ça a super bien marché, ça, c'était pas top, ça, à revoir comme ça, ça, il faut prévoir plus de temps, et ça, c'est oh, génial. Et la fois d'après, la semaine d'après, et eh ben, vous reprenez la même fiche. Et vous la. Euh, remettez euh, vous vous la revoyez alors si bien sûr c'est trois mois après vous ne reprenez pas la même fiche vous adaptez un petit peu plus mais euh, vous pouvez comme ça vous aider pas mal je repars hop et hop hum. donc euh, laissez bien une trace alors euh, gardez en mémoire tout ce que vous avez fait, donc que euh, vous aimez faire, donc euh, pensez aux ressources personnelles et puis donc pensez au cahier journal. Et puis s'il y a des choses que vous trouvez super intéressantes. Euh, dans, dans la classe, euh, moi, encore maintenant, euh, quand je voir des stagiaires, euh, quand je passe dans des écoles, je prends photo des choses. Oh, maternelle, mais c'est super intéressant de travailler plutôt que de faire des des, euh, des sapins euh, à Noël euh, de manière très classique. Ou là, ils ont travaillé sur les paysages d'hiver, hein. oh, super intéressant. Et puis là, il y a un travail où il y a une référence artistique super intéressante. J'aime beaucoup les affichages en CM. Main comme ça j'aime beaucoup hop vous prenez des photos parce qu'il n'est pas dit que l'année prochaine vous ne serez pas dans votre classe et là vous direz ah ça c'est intéressant et ça je vais le garder pour plus tard donc prenez des photos notez notez ce qui n'a surtout pas fonctionné à ne jamais refaire parce que ça a été la pagaille ou alors à améliorer ou à garder ou l'album oh, génial à proposer tout niveau de classe euh, et vous entourez trois fois et celui-là il est dans votre cartable il n'en bouge plus euh, euh, les arts. Ah, vous, vous êtes aperçu que c'était trop long, c'était trop court. Ça a super bien marché. Le mettre avant la récré, après la récré. Toutes ces petites choses-là, vous le notez, vous le gardez dans votre mémoire. Et comme ça, ça vous aidera lors des prochains remplacements. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que euh, bah déjà, euh, déjà une heure et demie, si je ne m'abuse, et ça fait beaucoup de papotis papotage Mais en même temps, euh, j'ai été débutante et j'ai débuté euh, en tant que remplaçante et je sais le stress que c'est. Et vous n'avez pas obligatoirement eu de remplacement là. Peut-être que vous étiez en plus dans une école, je vous le souhaite parce que c'est toujours intéressant d'aller dans les classes, voir ce qui se passe. Si par hasard, vous n'avez pas de remplaçant, de remplacement, pardon. Proposez-vous pour aller aider dans une classe. Proposez-vous, là, il va y avoir les évaluations dans plusieurs niveaux de classe. Proposez-vous pour aller euh, faire passer les évaluations, pour aller euh, aider, prendre des groupes, pour aller euh, aider en maternelle, prendre des ateliers, parce que ça vous fait progresser. C'est très intéressant, vraiment, vraiment. Et puis, euh, euh, sachez que, euh, remplaçant, c'est euh, ça peut être tout ou rien, ça peut être super riche si vous avez envie que ce soit super riche. Mais je pense que si vous êtes là ce matin ou si vous regardez en replay euh, ce live, c'est que vous avez envie que ça soit riche. Ou alors ça peut être super euh, inintéressant et là je veux même pas en parler euh, parce que ça veut dire que vous vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est que le métier d'enseignant, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train de me regarder. Donc, euh, essayez de prendre tout ce qu'il y a à prendre, même si vous n'aviez pas décidé d'être remplaçant aujourd'hui, même si c'est pas quelque chose que, que, que vous souhaitiez. Ça peut être enrichissant si vous avez décidé que c'est enrichissant et ça peut être beaucoup moins dur que ce que vous le supposez si vous donnez les moyens, les petites préparations, pas grand-chose, mais petites préparations, et, euh, et vous pourrez aborder tous les niveaux de classe euh, facilement. Pour la maternelle, dites-vous que quand vous allez arriver, eux, ils vont vous considérer comme la personne qui sait tout. C'est super oh, Mais maîtresse, comment tu fais pour tout savoir et puis, eux, ils peuvent avoir n'importe qui. C'est bon, c'est la maîtresse. Il hein, n'y a pas de problème. Donc, c'est super amusant. Et euh, soyez bienveillants. Soyez souriant, souriantes. Et avec les élèves, avec les parents, faites voir que vous êtes enseignant. Je vais m'arrêter là. Euh... Alors, les remplacements ont commencé pour moi dès mardi et je me suis sentie... Alors, je suppose que c'est perdu, je n'ai pas la fin de la phrase. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, mais... Euh, oui, c'est... C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. La seule chose, c'est de vous dire que les élèves en élémentaire euh, vont essayer de se... de, ben, de prendre le dessus. Mais... Même pour tous ceux qui n'ont fait que de la maternelle, même des CM2, ce qui peut faire peur. Moi, les CM2, je les appelle mes chouchous. Alors, les petits chouchous, là, qu'est-ce qui vous arrive? Un petit coup de mou, allez hop, on y va! Et là, euh, et ben, ce sont des petits. Vous savez, le genre d'élèves, quand vous repartez, euh, qui vous font un dessin en disant que la meilleure remplaçante du monde. C'est trop génial ça. C'est trop génial. Donc, euh, donc euh, ça n'est pas si compliqué. Ce qui peut sembler plus compliqué, c'est de ne jamais savoir... Où se trouve le matériel quand on est en maternelle euh, Où se trouve euh, Merci Audrey euh, Où se trouve le matériel Où se trouve euh, comment comment on situe les locaux et à quelle heure est la récré parce que ça n'a pas été affiché. C'est ça qui est le plus perturbant, le plus pénible à, à mettre en place. C'est pour ça que le jour où vous avez votre classe à vous, pensez au remplaçant et affichez tout ce que vous pouvez afficher. Il pleut, les récréations ont été changées, euh, c'est par tel créneau sous le préau et voilà qu'on soit pas obligé d'aller demander c'est compliqué et puis vous avez une personne ressource systématiquement c'est le petit futé ou la petite futée dans la classe qui sait même en petite section moi euh, je me souviens c'était adélaïde chouchoute adèle je l'appelais euh, qui sait tout qui connaît le nom de tous les enseignants, qui sait où tout est rangé, qui sait où la maîtresse a mis ses, 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 son cahier pour, pour appeler les élèves, qui sait à, euh, ce qu'on fait, qui fait si on doit passer aux toilettes. Qui vous avez toujours cette personne ressource dans la, dans la classe. Le tout, c'est de la trouver. Mais vous la trouverez rapidement. Très bon courage à toutes. Très bon courage à tous. Et je vous rappelle que euh, Passion Pédagogie est là pour euh, pour vous aider donc vous allez euh, vous allez vous taper passion pédagogie vous tombez sur euh, sur la team super bienveillante super euh, euh, efficace de, de passion pédagogie vous vous inscrivez vous avez tout un tas de tout un tas d'aide si vous êtes débutant ou si vous êtes moins débutant pour vous aider de devenir comme ça là comme le pauvre euh, remplaçant qui qui n'a pas bougé et, euh, et qui, et qui bah, va accumuler les toiles d'araignée. Et dites-vous que euh, c'est un merveilleux métier que le métier d'enseignant. Donc je vous souhaite très très bon courage à tous et je vous dis au revoir et, et à bientôt, j'espère. Au revoir.